Pas mal, hein. Ok. Bonjour. 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 Depuis 10 ans. Ça va? Je sais même pas ce que je vais dire, hein. J'ai rien préparé. Hein. Oui. Alors là, je pars en live, les mecs, on va. Alors, est-ce que vous aimez le magret de canard? Quel était le meilleur catering cette année sur les festivals? Ça, c'est pas de nom. Ça tourne là? Ok. Ouais, vous revenez juste de Rock en Seine, c'était bien 2 semaines. Ouais. Comment c'était un peu le Rock en Seine? C'était un des plus gros de l'été là. Ouais, plus gros. Ouais, je pense que c'était le plus gros de l'été. Ouais. Et même en termes de ressenti, c'était assez stressant quoi. On avait un bon stress quoi au début, mais bon, quand tu vois du côté de la scène tout le monde quoi qui attend. Ouais, c'est grosses caméras. C'était à 3 ans que vous avez fait la première Coconut ou c'était à 4 ans? 3 ans. C'était avec J. Satan. Ouais, J. Satan. Du coup, vous allez rejouer ce soir au Coconut Festival. Oui, c'est ça. Oui. Bah nous on est trop contents de vous avoir. Ouais, nous on aime bien. Ouais. Tu vois, genre, bah, c'est vrai, tu vois, c'est une programmation souvent, enfin quand même vachement émergente. Tu vois, ouais. On est plus curieux de ça, tu vois, que des festivals de reggae. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. J'ai rien dit, c'est bon. Du coup, vous allez habiter dans le coin ou quoi? Vous habitez déjà dans le coin, Ouais, là, nous, on a pris un appart avec Théo et Adrien, là, il y a des murs, à Annepont, ok, côté de Taillebourg. Du coup, vous allez composer tout là-bas ou Pas mal d'idées qui arrivent sur la route et tout, dans le camion, tu sors la gratte et un truc. C'est chouette, ça, de pouvoir composer en tournée. Je pense que comme ça, tu gagnes beaucoup de temps. Ouais, bah, c'est ça. Mais après, tu vois, des fois, il y a des trucs qui sortent, des fois, tu passes une semaine, deux semaines. On se retrouve avec plein d'idées, et puis dès qu'on répète, on assemble un peu tout. Quoi. Dès qu'on a 2-3 minutes, sinon, on répète. Mais ici, quoi, c'est ici, ouais. Okay. Vous avez le temps de souvent tester des nouveaux morceaux sur scène, ou vous essayez de vous mettre en danger des fois, un peu comme ça, ou c'est souvent. Des fois, ouais, quand on sent vraiment que le morceau, il est bien à l'aise et tout. Du coup, on prend moins de risques peut-être qu'avant, quoi. Tu vois, genre il y a 3 ans. C'était différent. On faisait un morceau en une après, mais on jouait le soir même, tu vois. c'était un peu compliqué. Les morceaux n'ont pas l'air. Là, on prend un peu plus de temps pour composer chaque morceau. Vous êtes rencontrés où en fait? C'était à 3 ans que le groupe s'est créé? Ouais. 4 ans et demi. Quasi 5 ans, ouais. 4 ans et demi, clairement. Ouais, c'est ça, c'était en 2013. En fait, ce groupe s'est créé en fait pour le baraton de Sainte. Ouais, c'est ça, avec Mélo, ouais. Carrément. C'était en 2013. Et ouais. Et là, du coup, ça va être votre premier album. Vous l'avez enregistré où? Au Black Box à Angers. Super studio. Donc, avec Michel Toledo d'Angoulême. Ouais. On est super content de le faire. On est super content de le faire là. Vu les groupes qui étaient déjà passés par là. Ouais. C'est un studio mythique. Je crois qu'il est très prisé pour ses pierres. Je crois qu'il y a de la pierre apparente. Ouais, c'est dans la salle batterie en fait. C'est ouf. Son de malade. T'es en plein milieu de la campagne en Angevine. Enfin, t'as rien. Ouais. T'as que dalle, clairement. Enfin, c'est trop bien. Pas de voisins. Enfin, tout était parfait quoi. On était dans un. C'est en pleine campagne avec Michel qui nous connaît depuis pas mal de temps, tu vois, maintenant. Donc, c'était vraiment. Ça, c'était assez presque intime, tu vois, comme situation. Tu vois, on était 4 et du coup, il n'y avait rien de plus. C'était parfait. Du coup, Michel, il vous a quand même bien dirigé. C'était pas dur de pas trop se perdre avec, j'imagine, avec tout le backline qu'il y a ou. Je prends cet ampli, tel ampli, tel morceau. Vous êtes resté un peu à la concentré sur la main. On s'est permis une journée pour mettre tous les amplis à fond et essayer des trucs. Tu vois. mais sinon, non, vraiment, on s'est bien émerdé. Enfin, Michel, lui, bah, du coup, c'est un peu le papa, tu vois, qui. Ouais. Mais il donnait surtout son avis sur les prises, tu vois, celle qui est bien, celle qui est bien ressentie, tu vois. Ouais. Et souvent, on s'est rendu compte que la première prise, on enregistrait tout en live, en fait, que souvent la première prise était la meilleure. Ouais. Et donc, du coup. Enfin, on n'a pas dépassé 3 prises, tu vois. Avant d'aller au Black Box, on avait croisé les Papier Tigre là au fond arrière. Ouais. Et du coup, ils nous avaient dit, putain, vous allez au Black Box, bon les gars, si vous faites tout en live, pas plus de 3 prises. Hein. Si la troisième n'est pas bonne, vous prenez la première. Là, on a fait exactement ça. C'est ouf, quoi. C'est pas possible, quoi. Et en fait, une fois là-bas, on a dit, mais en fait, ils avaient carrément raison, les mecs. Ouais. Enfin, clairement. Ce qui est bien, c'est que c'est un bon endroit de travail, tu vois. Ouais. Ça, c'est bien de pouvoir passer. Pour te poser mentalement, c'est cool. T'es loin des villes et tout. Ouais, c'est bien pour faire un point. Pas de pollution, quoi. Et du coup, vous allez sortir cet album-là sur Vicious Circle, c'est un label aussi mythique. Comment ça s'est passé la rencontre avec eux, ceux qui vous ont contacté? Philippe nous avait vus au Trans et on l'a rencontré, on a un peu parlé avec lui. Il a dit qu'il avait vraiment aimé le concert. Et puis peu de temps après, je crois qu'en février, on a eu notre première. On est tous allés le voir dans un bar à Bordeaux. On a bien parlé et tout. Ouais. Et puis, ça s'est fait vraiment. Ça s'est fait naturellement quoi. Bah, c'est bien parce que tu vois que c'est lui qui a un peu à cœur quand même le projet. Ouais. Carrément. On était hyper contents. Bah c'est super. Puis après tous ces, tu vois, après tous ces tremplins qu'on a fait, tu vois. T'as une grosse couverture médiatique, tu vois, nous ça nous faisait un peu peur au début, après ça a fini par bien se passer. Ouais. On a plutôt bien géré le truc. C'est vrai. Ça s'est bien profilé, tu vois, je sais pas comment on va dire. Mais après ça a fait du bien de revenir à la maison, tu vois, t'as un label, t'as ton album, t'as ta tournée, point, t'as rien d'autre. C'est vrai. Qui parasite à côté, qui peut parasiter, ou tu vois, ouais. T'as juste la tête dans le guidon, t'as tourné ton album et basta. Parce que c'est vrai que vous êtes un peu, vous avez été mis sur le devant de la scène, un peu.
enfin très rapidement en fait, ouais. Vous avez été lauréat du prix Ricard, et du coup après ça du coup vous avez tourné avec Môm, qui est un truc énorme maintenant, qui est vraiment aux antipodes de votre musique. Fou, oui. Mais du coup, ça vous a permis aussi de vachement de jouer sur des plus grandes scènes et surtout, j'imagine, de roder un live. C'était un bon challenge quand même cette tournée, parce que nous, c'est vrai que, comme tu dis, c'est tellement différent. Et, et pour nous, bah, du coup, on a vraiment ouvert tu vois, des soirées en smack et genre devant des. Tu vois, des salles pleines d'ados, tu vois. Des salles pleines d'ados de 15 ans, tu vois, qui dirait que ça part à Burne dès le début. Ouais, il faut aller les chercher, ceux-là. Il faut aller les chercher. Ouais, ouais. Franchement, ça a été bien. Quand on se disait, on s'en fout, on y va, même si on chope 5 personnes dans la salle qui fait, ce sera ça. C'est ça, on a gagné, parce qu'il y en a deux dans le lot qu'on arrive à choper, c'est cool. Puis on s'est même pas adapté quand on a fait, vas-y, on joue tout pour le tour, on a fait un set ultra bourrin. Non, on a dit, allez, on joue en premier, on va tout donner, quoi. On va voir. Ouais, c'est ça, on va voir les gens, quoi. Et c'est cool, mais curieusement ça a bien marché, les gens, t'es arrivé à choper des gens, t'es là, genre le mec il avait jamais écouté le rock de sa vie, ou pas du tout un MV, il est venu clairement pour Môme, tu vois, et c'est hyper cool, quoi, justement de pouvoir, tu vois, on n'est pas dans le truc un peu nazi blindé, où tu gardes tes groupes et tu veux pas les faire exploser, tu veux pas les garder pour toi, quoi. Et le public après qui croit, tu sais, on était au stand de merch, tu vois, ils croyaient qu'on était les gars qui vendaient les t-shirts de Môme, ils disaient, on peut prendre une affiche et tout. C'est super d'être aussi intègre que vous, tu vois, de pouvoir vraiment garder la musique en tête quand tu franchement, quand t'es mis comme ça tout d'un coup dans un buzz, tu vois, c'est vraiment ça. C'est vrai que ça fait du bien quand même de revenir à la maison. Bien sûr. On avait l'impression d'être parti un peu à la guerre. Bah ouais, peut-être bientôt les États-Unis. Oui, si, sûrement. Ça se fait du coup. On va jouer à SXSW du coup. Super, ça se va. Southwest. Normalement, on enchaîne sur une tournée au Canada. Très bien. C'est que suite à Québec, on a signé en fait avec un tourneur. Avec Bon Sound. C'est le Bon Sound. Super label. Super. Et du coup, on y retourne normalement pour une tournée, je sais pas, de une ou deux semaines. Et du coup, la SX, moi j'avais déjà entendu parler, mais pareil, je pensais pas que c'était. Tu vois, c'était et là, c'est vraiment, vraiment immense. C'était trop marrant. C'est immense. Ouais, c'est juste. Aussi, cool, c'est où à Austin? On était juste content de partir à l'étranger. C'était trop marrant. Super. Bah, en tout cas, on a trop hâte de vous voir ce soir. Ben, nous aussi, carrément. Ça va être un truc d'eau. Puis on reste au week-end aussi. Et ça va être bien, on va pouvoir se poser un peu. On s'était arrangé pour pas avoir de concert et pour